Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures accompagnées de Rex Power Colt. Donc toujours sur ce Blue Dragon, on avait quand même pas mal entamé des garnisons. Donc je voulais pas trop attaquer les quêtes principales, parce qu'il m'en manque plus que 3. Je voulais faire mon petit saut de 50 mètres, je sais pas si là ça va le faire. Je sais pas si ça fait 50 mètres, j'ai trouvé cette falaise. En même temps ça m'a rapproché de, on va dire, la télé, là où je devais aller. Alors attendez, il y a ça, ça, ça. Donc ouais, je sais pas du tout. Il y a un petit delta plane, je sais pas si je prends le delta plane pour monter un peu plus. Je crois que ça va me faire descendre, c'est pas grave, allez on y va. On va essayer de tenter le saut de 50 mètres. Je l'ai fait, c'est bon, j'ai réussi, je suis pas mort en plus. Pas mal gros. Donc la petite chute libre. Il est ouf. Je suis là pour tuer. Laisse-moi tranquille. Donc ça c'est bon. Il y avait un autre truc à côté si je ne m'abuse. Ouais. Il y avait une note. 80 mètres. Pas mal du tout, hein. Et ça c'est quoi? C'est un pont qui relie l'autre. Ok. Tyrolienne. Le sang, ça va être encore dans une sorte de grotte. Oh là, oh là, oh là. Waouh, waouh. Oh bordel. Vous êtes la place du mort. Et en plus, ils sont plusieurs. Laissez-moi tranquille. Cherche ma cassette. Ma note, du moins. Je les laisse entretuer, hein. Vous savez que sinon ça va me prendre 2 heures. Vous connaissez, je vais commencer à chasser du dragon. Alors il faut que je trouve cette putain d'entrée. Qui sait, peut-être c'est pas une entrée là-bas. Attendez, je vais essayer de faire le tour de la montagne. Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas explorer comme ça, foncer tête baissée jusqu'à la fin du truc. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer. C'est pour ça que j'ai adoré d'ailleurs Skyrim et tout. C'est quelque chose que je peux marcher des kilomètres entiers. Il y en a qui ça leur plaît, à qui ça plaît pas. D'accord, c'était juste là. Bon, il fallait quand même trouver la note. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. Donc, je vais essayer un petit peu de chercher, vous avez compris, tout en faisant un petit peu des garnisons pour me rapprocher de plus en plus de cette fameuse mission principale. Mais en vrai, il meurt pas, le mec, il peut sauter de super haut, il meurt pas. Moi, je savais pas, comparé à Far Cry. Vous voyez, il fait rien, il fait pas de dégâts, quoi. Ça fait pas de dégâts, donc franchement c'est bien ça. Nouvel objectif reçu. Affichage. Éliminer tous les ennemis. C'est comme si c'était fait. Allez. Et si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait rien. Bon, mais il y a déjà l'alarme, je crois. J'ai cru entendre l'alarme. Ouais, je crois que l'alarme a retenti. Donc, ils m'ont tous grillé par là. On va faire le tour. Voyez,
Je sais pas ce que c'est ce petit point là. Bon, il faut que je trouve comment activer pour attirer le dragon. Parce que cette fois-ci, je veux vraiment l'attirer dans la base et elle est là. Allez, amusez-vous. Méga bouclier de la garnison désactivé. Alerte. Méga bouclier de la garnison désactivé. Faites-vous bouffer pour une fois. Where is the dragon? Ça y est, il est là-bas, je le vois. Et il va vous faire bordel. Il leur fait scandale. Gatling gun sorti. Poursuivez l'objectif. Oh le bordel! Tranquille, c'est moi qui t'ai appelé, enfoiré. Donc ça va, si ça attaque à eux, c'est bon. Je vais pouvoir les zinguer en toute tranquillité. Et là, il m'en veut à moi. Wow, il m'a grillé le cul, là. Il est encore là, il y a des mecs encore, je comprends pas, il a pas fini le terrain ou quoi. Eh mais il m'en veut comment? Oh mon cul! N'ayez pas peur, c'est juste un dragon qui a trop la dalle. Je m'en fous, je vais le tuer. Oh, il m'a mis trop le seum là. Attends, j'arrive, chacal. Boum. Plus de balles. C'est juste quand tu les fais boum. Et ben voilà. Comme ça, elle a fait boum. Ah. Encore un début de partie mouvementée. Alors, consommable en stock. On va acheter un petit peu parce que ça fait depuis le début de la game que je n'ai pas acheté. Quoi. Depuis bien longtemps. D'accord. Bouclier, c'est bon, ça je vais mettre juste un petit coup de picouse. Ah, ça fait du bien de se piquer un peu le bras. Et on est reparti pour racheter un petit peu des nanomèdes. Voilà, donc tout va bien. Je vais pouvoir prendre ma VHS qui est dans le coin. VHS en haut de la colline. Ouais, t'inquiète, je vais faire ta mission. Casse pas la tête, j'arrive 2 secondes, mon gars. Est-ce que j'arrive à monter? Presque. Ah! Déjà tué. VHS trouvé. J'ignore qui a fait ça, mais je vais lui arracher la tête. Et l'accrocher au mur. Pourquoi il dit ça, ce chacal?
c'était la télévision trouvée, la VHS elle est là-bas. Ah, il y avait des oiseaux. Vous croyez que c'est ça les animaux restants? Ah oui, peut-être c'est ça. Oh le bordel, j'aurais dû sortir un flingue quoi. Ben il m'a rien dit, donc je pense pas que ça soit ça. Oh, je suis dégoûté. Bon, c'est toujours pas ça. Bon, c'est pas grave. Retour à la mission pour faire la putain de mission secondaire. Oh, le bruit qu'il fait quand ça tombe. Ping. J'aimerais bien avoir les mitraillettes, moi. Déballer les éclairs ou je sais pas quoi là. Les faisceaux laser de fou. Alors. Objectif prédateur. Deux prédateurs, attention. Est-ce que je les conduis ce véhicule? Parce que vous avez aussi chaque véhicule que vous conduisez, ça fait aussi un défi. Donc à l'arc. Lolilol. Alors, que dois-je chasser? Trouver et tuer le tigre rare avec l'arc. Oh waouh. Mais je crois que c'est lui qui m'a trouvé. Bon, déjà, j'ai tué un. J'ai eu du mal. Pas trouvé. Laisse-lui. Merde. Ouais, j'ai réussi la mission. Par contre, je sais pas si je vais me faire bouffer. Il m'a grignoté. Non, est-ce que ça m'a fait la mission? Je l'ai réussi, mais je l'ai fail. J'ai appuyé comme un chacal. Oh. Ah, ça me l'a pas fait. Si, si, non. Si, ça me l'a fait, je pense. Ouais, ouais, je pense que ça l'a fait, ouais. Donc c'est bon, ça. On va où, Rex? Rex Power Colt. On va s'approcher de la mission, on va faire ça. Merde. Ça a combien ça? 700 mètres? Ouais, on va prendre le véhicule, allez. Histoire de se balader un petit peu. C'est parti, je fais un tout droit. Bah la race. Ah, le problème c'est que je suis dans l'eau. Ok. Bon, bah, je serais pas allé très très loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bateau. Ça s'appelle un bateau. Il y a le truc qui sert à rien parce que... Ça sert à rien, je trouve les bateaux là. Bon, moi j'en aurais conduit un, je suis content. J'en ai conduit un dans ma vie. On va prendre la VHS. Comme d'habitude, une montagne en plein milieu du chemin. Play. Alors, j'ai déjà fait en plus celle-ci. Okay. J'ai déjà fait, je vais pour reprendre des munitions. Ah bah c'est la base du début. Donne-moi des bim baby.
D'accord, j'ai que usé. Ouais, d'accord. Ça. Du coup, il y en avait là-bas, j'avais pas capté quoi. Les cochons, c'est bon, j'en ai tué 10 millions de cochons. Je crois que je l'ai bien eu. J'avoue. Mais vite tout ton petit cœur. Ça tombe bien, j'avais besoin d'un véhicule, mon gars. Ok, juste ici, ok. Alors. Utiliser. Il me semble l'avoir déjà prise ici, la cassette. Ben, croire que non. Console de dénoyer. J'en ai pas mal, hein. Ouais, j'en ai pas mal. Les singes tuent ce que les singes voient. 3 cassettes, voilà, ok. Vous voyez que ça sert à quelque chose, hein, que c'est pas... Ça c'est pour les fusils à pompe. Les animaux c'est pour ça. Donc il m'en manque 2 quoi, je sais pas ce que c'est. Tortue mutante. Et cyberroquin, ok. Donc la tortue mutante, mais où je vais trouver une tortue mutante quoi. Et après tout le reste je les ai. Tous les restes je les ai, donc c'est bien, ils ont marqué ce que c'était. Donc au moins c'est facile. Robot chien, robot croco, serpent néon. Ah, murène luisante aussi, ah ben voilà, vous voyez que je l'ai fait sans faire exprès. Ah, le corbeau démoniaque, je l'ai pris aussi. Ok. Donc on va afficher la carte. Je me trouve, Rex, où es-tu? Je sais pas où je suis. Et je vais faire ça là-bas. Donc écoutez, franchement, ça aurait été, on va dire, deux hors-série. Les deux épisodes. Je me rappelle plus combien c'était le précédent, le 6ème. Le 6 et le 7 seront deux HS. Mais bon, en soi, en fait... Bordel. S'est passé. Oh merde, ils vont me repérer. Non, c'est bon, ils m'ont même pas vu. Là où ils m'ont vu. Ah, ils sont trop cachés, mec. À chaque fois, j'essaie de leur tirer une balle de... Donc j'étais en train de dire, c'est deux épisodes entre guillemets HS, hors série. Mais bon, ça reste dans la continuité de du walk, hein. Parce que je vous ai dit, franchement, je vais faire toutes les zones, prendre toutes les cassettes, comme ça, vous aurez tout vu. Non, ça va, je vous laisse tranquille. Donc, à mon avis, c'est l'entrée d'une grotte. Il faut trouver maintenant sa fameuse entrée. Et elle est ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc la cassette est ici. Pour une fois c'est éclairé, donc ça fait plaisir. Et là il y a une autre issue qui mène tout en haut, ok. Qui mène à une autre sortie, yeah baby. Ah mais c'est un truc de fou, je leur tire dessus, non pourtant j'ai l'impression de le tirer dessus quoi. Ben on dirait que non. Il doit y avoir des arbres ou quelque chose qui gêne ou ouais. C'est un ennemi ça? Ma foi, aucune idée, je le saurai jamais. Ici. Non c'est juste là-bas, attention il faut que j'y aille. Ouais, je pense que c'était les armes.
Les arbres qui bloquaient. Bonne sieste. Eh mais ils ont l'œil affûté, les chacals. Salut. Croyez que je peux construire, je peux conduire le véhicule en même temps que les normes. Ça aurait été tellement rigolo. Genre le mec il me tire dessus, moi je conduis le véhicule. Ouah, acharné, tu sais. Mais tu meurs toi ou quoi là? Et abusé mon gars, tout ce que je t'ai mis comme balle. Allez tiens, meurs. Eh, je vous ai dit que ce film me rappelait beaucoup de films des années 80. Mais j'ai oublié d'en citer un. C'était New York 1997. Un très très bon film. Il est mort comme ça lui. Ou Los Angeles, Los Angeles 2013 je crois. Incarné le film a été je sais plus qui c'est qui a réalisé le film, mais je sais que l'acteur principal c'était Kurt Russell. Et c'était un excellent film aussi. Un petit peu dans ce délire là, bon sauf qu'on était pas un robot bien sûr. Ça y est, c'est l'heure, c'est le bordel. Allez, descendre là. Je suis là pour tuer. Des volontaires. Alors, où on va, où on va? On va se balader plutôt par là. Ça m'a l'air mieux pour monter. Ah, de toute façon, c'est là-bas qu'il faut aller. Faudrait que je mine le terrain. De temps en temps pour rigoler. Si je prends pas les sous là, ça va pas le faire. Alors, ici c'est bon. Je savais qu'il y en avait une en haut de la falaise. Ah ben non, c'était pas là, c'était là-bas au fond. Donc je savais rien du tout. Faut que je trouve un requin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Des conteneurs au fond de l'océan. Plutôt pas mal. Oh le fils de chien. Je savais pas qu'il était là, je savais qu'il était dans le coin mais je me rappelais pas qu'il était là. Qu'est-ce qui me cague à chaque fois? Ces putains de croco-robots. Donc une tortue quoi, tu veux que je la trouve où ta tortue? Oh bon sang, encore un. Ta tortue de je sais pas quoi là. Ah. Eh mon vieux. Regardez toutes les flèches à côté. Vous êtes nul, monsieur, il m'a dit ce chacal. En tout cas, je t'ai sauvé la vie, frère. Oh, laisse-le tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah mais fais bordel, laisse-moi mes flèches. Ah moi mes flèches, bordel. Ah le mec, j'ai cavalé après quoi. Et merde, du coup je suis de la merde. C'est du n'importe quoi.
Rends-moi mes flèches. C'est quand même à 300 mètres là, hein, ça rigole même plus. Bon, faut que je trouve un requin. Il y en avait lors du premier complexe qu'on avait fait, mais le truc c'est que je les avais pas tués, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, je crois que la quête était un petit peu buggée. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Comme ça, en plein milieu de l'eau. Ok. 18 télé sur 32 quand même. Je vais prendre celle-là. Ou sinon, non, tiens, je vais me faire celle-là. Comme ça, ça fera toute la partie du haut. J'aurai plus qu'à faire toute la partie du bas après. Quadruple canon. Qu'est-ce que c'est de délire? D'un coup, un véhicule qui tournait en plein milieu de la map, c'était fou. C'est. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. Bon, on va essayer. Mais non, ça rentre pas dedans, fait chier. On peut pas le coller. C'est dommage, putain, ça aurait été rigolo quoi. Ça aurait été tarp and roll de le faire, mais bon. On peut pas. On peut pas, hein. Il y a un dragon dans le coin. On dirait même qu'ils sont en train déjà d'attaquer. Quoi qu'elle se fait déjà attaquer la garnison. Oh putain, c'est celle que j'avais faite la dernière fois que j'étais j'étais mort. J'étais pas de la merde. Affichage du nouvel objectif. Éliminer tous les ennemis avant de continuer. Tout de suite. Je trouve le truc pour le faire entrer. Maintenant il veut m'attaquer à moi quoi. Hein? Et il m'a grillé le cul d'ici. Ah mais comment il a fait pour rentrer? Et il a bugué. Caval Fada, si tu tiens à ta vie. Ah bordel de merde. Ah c'est un bordel. Terreur 4000. Oh. Avec qu'un sauce, courez. Je vais tous faire bouffer moi, que je m'en bats la race. J'ai juste mon dragon moi. Allez, yes. Eh, mais on dirait que c'est pas moi qui tue. Ah si. Il a reste tarpé encore en vrai. À qui le tour? Voyage mon gars. Bon allez, plus beaucoup de munitions, on va s'amuser avec le pompe. Et lui il va me rouler le cul lui. Qui veut la place du mort?
Pas mal le petit dragon qui bug. Je trouvais ça rigolo. Level 22. D'abord que je me guérisse, non, avant de prendre une picose, ouais, je pense. Consommable, picose. Putain, c'était un putain de bordel là, lol. Ah, semi-automatique, ça m'intéresse, mon gars. Par contre, il faut sauver le soldat Suzanne, il a dit. C'est sérieux? Prise d'otage, ça veut dire que ça va être just. Il va falloir pas se montrer. Alors la zone est ici. Ok. 4 soldats? C'est peu, je trouve. Il doit y avoir une entrée de grotte là, c'est pas possible. Cinquième qui est devant la grotte pour protéger, je pense. D'accord. Je pense qu'il est là-bas. Je vais me faire spotted. Ils m'ont pas vu. Alors, j'ai juste trop scanné le dernier coup. Je peux la faire bourrer hein, si je veux celle-là. Vite, 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 cache-toi derrière. Alors comment je vais procéder? Parce que les deux je pourrais pas les avoir. Ouais, je pourrais faire ça peut-être. Je voulais tirer sur le jerrycan là-bas au fond pour exploser les deux derrière et prendre les deux devant là. L'otage se fait attaquer. Protégez le cyberintello. Il est où? Bon, ça a failli marcher, j'ai failli tuer l'intello, vous avez vu la flèche qui est là. Lol. J'ai récupéré tout ce que j'ai récupéré. Donc ça ouais, ça aurait pu marcher, c'est bon. Je l'ai fait un peu au feeling hein, vu que... J'avais pensé en enchaîner 2 ou 3 d'abord avant de lancer la grosse attaque, mais bon, ça les a fait péter, tant mieux. D'ici un instant, vous avez fait une bonne action en sauvant mon génie. Lol, bande de pipi. Tu te protèges. T'es sérieux ou quoi? Ouais, c'est quand que je pourrais améliorer l'arc là? Ce qui casse la tête un peu hein. Boum quoi? Attends, parce que j'ai vu un truc là, boum. Je suis level 23, donc 23, la compétence c'est biorégénération. Non, c'était pas ça. Oui, d'accord, gagner une barre de vie en plus, gagner une barre de vie en plus, diminuer les dégâts dus aux explosions, ok. C'est entre quel archer de combat? Ok, subissez... Non, on pourra pas améliorer l'arc, hein, je pense pas. Hein. Arracher la goupille d'une grenade à un ennemi, poussez-le en appuyant sur G. Après une élimination. Ah, je savais pas ça. Putain, on va essayer. On va essayer direct. Cassos! Lol. Dégage! Tu veux que ça marche avec le gros aussi?
Avec le gros ça marche pas, dommage. Redmore. Je me rappelle quand je faisais ça dans Far Cry 3. C'est pas mal, c'était pas mal, j'aime bien. Et en plus ça gagne, ça donne grave d'XP quoi. Et encore une fois, vous avez vu, encore une fois. Merde, j'appuie sur G, oublie d'appuyer sur F. Oh, vas-y. Ça donne grave d'XP, faudrait que je le fasse tout le temps maintenant. Voilà. Donc comme ça j'ai fait toutes les missions que je voulais faire en haut. Je pense que je vais récupérer cette dernière cassette et on va s'arrêter ici. Attendez, je vais retourner directement à cet endroit pour faire toutes les améliorations possibles sur mon arme. Ok. Ça c'est bon, maintenant arme. Non on s'en fout. Chargeur plus gros, faut que je le keep. J'ai plein de trucs que j'ai pas amélioré quoi. Quadruple des... Non. Pourquoi ça me... Balle infernale. Se débloque après avoir tué 12 types d'animaux. Putain, vous voyez, il y a plein de trucs qui se débloquent avec les 12 types d'animaux quoi. Faut que je trouve des tortues, bordel. Faut que je trouve des tortues. Vite. Ensuite. Non, Terreur 4000, y'a rien à équiper vu que c'est déjà une dinguerie. Voilà, je pense que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour toi, baby. Bon, où vais-je trouver une tortue, quoi? Et ça, c'est la question que je me pose. Où c'est que je vais trouver cette putain de tortue? Bon, je vais là-bas et on va s'arrêter ici. 526 mètres, une voiture, c'est parfait. On est passé à 392 mètres. Ok. Vous savez que je suis un pilote, hein, vous le savez. Oh, oh, ça sent l'écrabouillage. Une voiture sauvage. Un parano sauvage apparaît. Oh le bordel. Bon, ça va le barrer. T'es où je vais trouver une tortue, bordel? C'est pas à côté de, des lacs et des trucs comme ça que je vais trouver des tortues? Waouh! Salut! Ah, attendez, parce qu'il y a des requins, mais les requins ils sont là, ils sont dans le complexe, non? Ils sont pas dans le complexe qu'on a vu tout à l'heure. Là, je récupère ça. Merde, j'espère qu'ils vont pas me faire ramasser des drapeaux. Lol. Alors, attends, ça. C'était pas au tout début où il y avait le complexe là? Eh, si, je crois bien que oui. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des requins là-bas. Qu'il y en a encore? Non, c'était juste pour la mission qu'il y en avait. Oh merde, putain. Allez, monte, chacal. Ah, je suis dégoûté, putain, faut que je trouve un requin. Cette vidéo se terminera pas tant que je n'ai pas tué de requin, ok? Vous voyez qu'il y en a des requins là? Même pas. Ah là, il y en a. Non mais c'est bon, on le fera lors de la prochaine vidéo parce que sinon je vais pas m'arrêter moi. On a combien de... On a combien de blablabla compétences? Non. Console de données, voilà. Alors on est à 7 garnisons. Ouais.
7 garnisons, compétence de gagner 23 sur 30, voix du prédateur, ok, prise d'otage, ok. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ben écoutez, on arrive presque au milieu de ce standalone. La mission principale, 4 sur 7, ça me fait peur. Donc écoutez les oiseaux, je vous remercie encore d'avoir regardé. Oh, j'ai pas compris ce que j'ai fait là. Attendez, faut pas que je ressorte dans l'eau. Quoi, je suis dans un camp là, j'ai pas compris. J'ai pas bien compris le délire, je sais pas, en tout cas, je me sauve. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, les oiseaux. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures sur ce Far Cry 3. Prenez soin de vous. Pipis, ciao. Tortue, où es-tu? Tortue.